Ah, et c'est parti! C'est parti! Alors, attends, je vais vérifier si j'ai les bonnes couleurs. Oh, c'est le sacri. Ok, il faut que je change. Allez, c'est parti du coup. Le panda bleu qui prend l'initiative. Donc les compos. Sacri panda cra pour les bleus et panda ossa et nu pour les rouges. Enfin, un match équilibré au niveau des compos sur ce Galgarminator. On a deux compos assez solides. Même si historiquement la compo Sacri panda cra est peut-être un petit peu plus forte. Nash du coup qui va se débarrasser du Wasta adverse et qui va mettre le sien entre le panda et le cra. Alors, j'espère que le Wasta va aller sur le cra du coup. Ok. Alors, Xenox. Ça va être assez compliqué de trouver une zone douleur partagée. Après, bon, c'est un panda, de toute façon, il n'y a pas vraiment besoin de douleur partagée, le panda. On va juste douleur le cra, tout simplement. Et au niveau de l'INI, l'Ossa qui joue juste après le Sacri, donc ça c'est pas trop mal. Et de toute façon, Nash, il a porté son Ossa. L'initiative qui est quand même pas trop mal, hein, côté rouge. Doppel qui est invoqué, il a une belle zone pour donner le déplacement félin. Ah, ça lag. Ok. C'est bon? Ok. J'ai eu peur avec ce qui s'est passé avant-hier. Ah, et toujours les Doppel Ossa qui arrivent à trouver les meilleures zones possibles. Ils sont tellement intelligents les Doppel Ossa. Allez, Capellini. On va peut-être essayer de se débarrasser un peu de ce panda bastard. On va donner la portée au Sacri. Et oui, il y a une belle zone. Hein. On va libérer les nus. On va sûrement mettre un œil de taupe. On pourrait charger une punie. Non, on va juste kick PM à les nus. La boîte de Pandore qui va crit. Et malheureusement, pas de chaffeur. Je crois que je vais couper le canal bleu parce qu'il est assez insupportable. Et une petite mala sur le panda. Le sacrifice avec le sac. Mais du coup, on a cramé peut-être la flèche de dispersion pour peut-être pas. Après. Est-ce qu'on avait vraiment peur que cette énu vienne corrupte? Ça l'aurait vraiment beaucoup exposé, je pense. Après, il y a le panda qui aurait rush derrière. Il aurait corrupt le panda adverse, ils auraient pu rush. Ouais, je sais pas. C'est vrai que la corrupte était dangereuse. S'il n'avait pas pris la cinglante, il pouvait aller corrupte. Et du coup, Pandouille qui s'isole un peu là sur ce move. En tout cas, du côté rouge, on est toujours bien regroupé. Il va falloir rush. Hein. Il va falloir. Ouh, le chasseur lancier qui est posé par Nash. On va rush en portant son Ossa. On va vulner le panda. On a peut-être un item de classe pour vulner sans ligne de vue. Oh, la panda attaque qui va EC. Ouais, on voulait juste panda attaque sur le panda adverse. Et Xenox qui est un petit peu coincé avec son Wasta. Il a pris le tir éloigné. Donc il peut faire un peu ce qu'il veut. Après, il y a le panda qui porte l'Ossa, donc on peut pas les coop. Et les nus, de toute façon, il y a le sac, donc il peut revenir potentiellement assez facilement.
Et on avance en posant une kawotte. Cette Ossa, du coup, qui est sur son panda, est-ce qu'il va descendre? Ouh, par contre, mais on laisse la ligne de vue, là, gratuite sur le cra comme ça. Le fouet qui va tuer la l'épée volante. Pour libérer ce Wasta. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire pour l'Ossa? Je me demande comment on va taper pour cette équipe rouge. Peut-être l'Ossa qui va jouer au... Ouh, qui sort un rhizome. Viens prendre la zone rhizome. Il était buff, il avait juste le croc du milou et le cri de l'ours du Doppel. Il n'avait pas de maîtrise, mais on vient mettre les full coups de cac. Et Capellini qui tombe à 2600 HP. Après, il est entouré d'un sacré et d'un panda. Il va être assez facile à défendre, hein, quand même. Maîtrise de l'arc, maîtrise des baguettes. C'est la tourelle hein, pour Capellini. Et le C-Cinglant, il reste 5 PA. Et la flèche de recul, ok, sur l'Ossa. Alors, l'ennu qui cherche une ligne de vue sur le crash, j'ai l'impression. Et on va... Ouh, on va corrupt Pandouille, ça c'est bien vu. Les invocations sur la kawotte. Et oui, on n'a pas pu corrupt tout à l'heure. Du coup, la corrupt qui va revenir tour, tour 7. Et l'Axel qui tombe sur le panda Nash qui est en 12-15. 15 PM pour ce panda, il peut aller partout, tout simplement. En plus, il est pas sous picole, donc il peut vraiment faire ce qu'il veut. Pendant qu'il va passer son tour avec la corrupe. Et là, on va peut-être entamer un focus. Le problème, c'est que le panda joue juste après le, juste avant le sacri. Donc on peut pas très facilement débuff le sacrifice s'il y a besoin. Ouh, on va aller bloquer le panda adverse avec une kawotte. On a tellement de PM qu'on peut presque revenir. Est-ce qu'on a la portée pour vulner le sacri? 6 PA. On n'a pas la portée. On va juste se régène un petit peu avec un tonneau. Et les PA du chauffeur qui sont donnés. Et c'est pas plus mal parce que là, l'Ossa est descendu du panda. Donc comme ça, l'Ossa profite aussi des PA. Et du coup, le Wasta qui met la méditation. Ça va être encore plus, plus insupportable. Et là, Zenos qui n'a que 3 PM. Et on est déjà forcé d'utiliser les transferts de vie. Pardon. La coop sur le chauffeur lancier. La disso. Il y a le sac pour protéger. Maîtrise des bâtons pour continuer. Oh non, le C-Cac! Oh non, le C-Cac sur le premier coup de cette Ossa. Oh, c'est tellement triste! C'est tellement triste! Ah, c'est vraiment le sur le premier coup. On va passer le tour là-dessus. Aïe, 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 c'est vraiment dommage. On pouvait vraiment entamer ce sacrieur. En plus, taper un sacrieur quand on joue avec Panda et Nu. Bah c'est pas très grave hein, parce qu'ils peuvent se faire des buffs très facilement. Même l'Ossa hein, peut débuff. Donc on peut se permettre de taper un peu sur le sacrier avec cette compo. Et là le CK qui met tellement mal. La clé réductrice du coup qui est claqué sur le sacrier. La maladresse de masse. Il y a 8 PA pour cette énu. Et là est-ce qu'il y a une maîtrise sur lui? Non il n'y a rien. Juste une chance. Et une baguetterelle. Baguetterelle feu pour chance. Ah c'est tellement dommage, c'est ce CK. En plus on a vu l'Ossa, il est capable de taper assez fort avec son rhizome. Oh, Pandouille qui joue à la Kukri. Et qui va quand même... ok, il va réussir à tuer la kawotte. Avec une petite flamiche sur les deux PA qui lui restent. Mais c'était tendu, hein, il aurait pu rester coincé là. Et là du coup Nash il a tellement de PM, il va pouvoir gérer Pandouille tout le long du combat. Il va pouvoir le relancer, le remettre au loin à chaque fois. Ok, non, on va pas se diriger sur ça. On va full vulner le sacri. Oui aïe aïe.
Et full vulnéfeu sur, sur Zenox. Encore un EC. Tombe à moins 5%. Mais c'est un sacri, hein. Alors je disais tout à l'heure que focus en sacri avec beaucoup de debuffs, c'est pas trop grave, mais ça n'empêche pas la punie. Et Zenox, qui se met entre l'Ossa et le nu. Il n'y a que 9 PA. On va y aller à la Disso. Est-ce que c'est les coups de rhizome qui vont tomber encore une fois pour cette Ossa? On a 15 PA. On a la maîtrise des bâtons. Ok, on va mettre un sanglier. Et deux coups de cac peut-être? Ouais, c'est les coups de cac qui tombent. Sacri qui est déjà à 3400 HP. Et on va ouais, mettre le sanglier pour que les nus puissent être sûrs de détacler. Qui joue à la baguette. Oh, les moins 2 PA de la malade masse de sur Capellini. Qui en plus est coincé par ce Wasta qui est la méditation. Hein. Donc même s'il a un build d'agi, ce cry ne détacle pas, c'est sûr et certain. Ça va exploser dans le tas. Ok, très belle maladresse sur Pandouille. Oh, Pandouille, il est vraiment absent du match, le pauvre. Hein, il se fait vraiment gérer. Et les gros coups de baguette réelle qui tombent sur Zenox, qui est à moins de 2000 HP. Par contre, il est en zone punie. Il est en zone punie et Nash, je sais pas s'il va pouvoir y faire quelque chose. Ouais, il faudrait debuff le sacré. En plus, il a trop de châti. Mais il y a les vulnés. Donc, est-ce qu'on a envie de debuff les vulnés? Après, il a peut-être une arme, hein, Nash, pour taper sur ses propres vulnés et essayer de désopti punir ce sacri. Ok, alors il y a une vulnée terrestre qui est partie au début, on l'a vu. Et ensuite, des vulnées air. Ouais, et on va le debuff. Hein. On va le debuff, il perd 3 PA. Ok. Oh, on le met à 5 PA, ce pauvre sacri! 4 PA! Et ben le panda qui s'est pris pour un Xel et qui met le sacré à 4 PA! Bon, il va punir, il va quand même punir. Mais c'est tout ce qu'il va faire, quoi. Et en plus, on vient gêner le Kra. Allez, la punie qui va tomber sur l'Ossa. L'Ossa a quand même 50% de res neutre. Mais il tombe quand même à 1600 HP. Est-ce qu'on va mettre les full coups de cac sur Zenox, du coup, qui n'a pas plus d'héros, hein, puisqu'il n'avait juste pas de PA. Ouais, on essaye de trade les deux piliers de chaque côté. Ouais, on va continuer de taper. Ça passe bien, 1000 HP pour Zenox. Et du coup, Capellini, il est bien bloqué là, entre le panda stab et le wasta juste à côté. Et le double qui buff les nus, ce qui est un très bon call en vrai. Moins 1 PA de la malade masse. Elle punit sur l'Ossa. Il reste 4 PA pour Capellini qui a la Terelle. Il va plutôt exploser dans le tas. Il va falloir protéger cet Ossa. Oh, il y a encore une belle. Oh non, mais Pandouille le pauvre.
Il n'a pas existé. Il n'a pas existé du combat. 84 HP, mais tu sais qu'avec un ancien pièce plus le chasseur fou. Oh, le ancien pièce qui est crit et on tue le sacri déjà. Et on va pouvoir maintenant porter l'ossa. On va pouvoir porter l'ossa pour le protéger. Mais c'est plié, je pense. Hein. Oh, Pandouille qui n'a pas pu jouer du combat. Il s'est fait bloquer derrière une kawotte. Il s'est fait. Il a pris des malas à moins 3, moins 4 PM. Et maintenant, bah, il faut juste protéger l'ossa. Et on va jouer en 3v2. Ouais, les malas ont fait très très mal hein, sur Pandu. Le pauvre, il n'a pas existé. Et du coup, joli match de Nash en vrai. Très joli match de Nash et de chance aussi. Et bon, l'Ossa, il a mis des bons coups de cac, mais il a pas fait grand chose d'autre. Et en plus, il a EC. Mais ouais, ça a bien joué. Hein. Ça a bien joué cette compo de Chillax. Bon, en plus, on a la piqûre motivante qui revient sur le panda, il est nu. Et on va continuer de taper au Rizzo, mais en plus, on se régène. On se régène tout en étant porté par son panda. Et ça fait beaucoup de bien. 1600 HP, ça remonte. Et c'est les points de vie du crack qui baissent, à contrario. Là, je pense que ouais, c'est plié. Hein. Bah, c'est vrai que l'Ossa, il a pas eu à faire grand-chose. Mais c'est vrai que en fait, le panda a tout fait. Pour que l'Ossa n'ait rien à faire, justement. Pour qu'il puisse tout simplement mettre des coups de bâton. Par contre, on notera aussi que Mihawk, il a quand même porté ses couilles et il allait prendre la zone bâton au début du combat. Sur un sacri et un cra en tant qu'Ossa, il fallait avoir le courage d'y aller. Hein. Et du coup, les coups de baguette réelle qui vont continuer de pleuvoir sur Capellini. Et encore, chance n'a pas crit. Capellini qui va survivre à 150 HP. Et Pandouille, enfin! Enfin, Pandouille qui va pouvoir être utile à son équipe. Il va pouvoir protéger son... Et même pas. Oh, quelle belle pelle! Ok, mais non, Pandouille, il peut y aller quand même. Mais en vrai, Chillax a très très bien joué, hein. Ils ont bien cancel le panda ennemi. Ils ont fait un joli focus sur le sacrieur qui est très bien passé. Et encore, on n'oublie pas que l'Ossa a EC CAC au début de son tour. Par contre, Pandouille, il va pouvoir porter le Kra. Et Pandouille, il a stab il n'y a pas longtemps. Mais du coup, ben, on va juste passer sur lui. Hein. Maintenant, il peut pas se picole. Et Nash joue juste après lui. Donc, ben, il pourra pas se debuff les vulnés avant de se faire taper. Va tomber à 4%. Oh, mais même à moins. Hein. À moins 6%. Il va se faire rouler dessus. Il va se faire rouler dessus, Pandouille. Et bien sûr, on se met au corps à corps de Capellini qui joue à la baguette. Il a encore la maîtrise des bâtons. C'est son dernier tour. Il va mettre... Ah non, il fout le cac pas. Ah, oh, je suis déçu. On met une petite kawotte et ça va partir en deux coups de rhizome. Ça ne crit pas, mais pourtant les dégâts sont présents. Les dégâts sont présents sur ce panda. Ah là, mais mince, alors moi je croyais que Sacri Panda Crass était tellement OP que c'était injouable. Décidément. C'est pourtant ce qu'on m'avait dit. Mais là, ils se sont fait rouler dessus. Je pense qu'il va continuer de taper à la baguette. Par contre, il veut. Ok, il a mis un crit quand même. Mais on n'est pas très, très efficace en crit, hein, côté rouge.
on cherche un focus, ouais, un focus énu. Il a de bonnes raises, cet énu. Il a de très bonnes raises. Là, il a des vulnés R. Bon, on va carrément y aller à la pente d'attaque. On va même pas le vulner. Mais Nash, il met des pans d'attaque aussi là sur 25% de rester qui sont assez stratosphériques. Et encore moins 6% sur Pandouille, qui va continuer à prendre des coups de bâton, des coups de baguette. Oh là là. Ah vraiment. Très très belle maîtrise de Chillax, qui a une compo qui est particulièrement sous-cotée, je trouve. Hein. Vraiment, Ossa Panda Enu, c'est super fort, je trouve.